Merci beaucoup. C'est gentil. Je sais que c'est dirigé plus vers moi que vers lui, mais ce que je voulais vous dire, Daniel a oublié un détail très important de notre naissance, c'est qu'on n'était pas seulement des jumeaux identiques, mais des jumeaux siamois identiques, et on était collés. Et quand les médecins ont su qu'on était jumeaux, premièrement, et siamois, il a fallu que le chirurgien, le gynécologue, prenne une décision rapide. Et je peux vous dire... Il a coupé! Et oui, il a coupé, oui. Et ça m'a avantagé. Et je peux par témoignage oculaire, que je remercie Dieu tous les jours. Et moi, cette journée, moi, de mon côté, j'aimerais beaucoup remercier mon chirurgien qui est ici à la salle ce soir, le petit frère. Monsieur Weinstein, merci d'être là. Réal Weinstein, merci beaucoup. Bref, seul moi puis lui, on connaît la vérité de cette journée importante-là. Merci beaucoup, Monsieur Weinstein. Merci d'être là dans nos spectacles, une fois de temps en temps. Merci. Vous savez, gens, toute ta part, vraiment, là, notre duo, c'est important pour moi que ça fait. Notre duo. entre jumeaux, vous savez, il y a de la compétition, mais il y a aussi de la complicité. Mais je peux vous dire, pour ma part, que les frères jumeaux... Je t'en ai sorti après, il y a beaucoup de misère à expliquer ça. Je t'écoute. Non, ça fait... Il y a quelque chose qui me dérange avec mon côté droit, mais notre duo a un problème. Je pense que ce spectacle-là aurait dû être un one-man show. Oui. Et c'est un problème qui perdure depuis 32 ans. On va essayer ce soir de régler ce problème. Le problème, c'est que vous avez remarqué qu'il parle plus, il veut toujours plus jouer, et il veut toujours plus d'attention dans notre duo. Ce soir, pour rectifier... Le tir. Je peux finir tes phrases, merci, quand t'es pas capable. On va aussi partager notre salle et on va diviser la salle en deux. Oui. Ici, ça va être mon côté. Et ça va être mon côté. Et ça, c'est pour le restant de la soirée, OK? C'est très important, oui, ça va durer toute la soirée. Donc, on va changer un petit peu, OK? On va voir qui des deux a le plus gros support. Et on va mettre les points sur les i, les barres sur les t. Donc, vous savez, avant qu'on fasse ce petit numéro-là, de chanter tout ça, il y a des avantages et des désavantages à être jumeau. Puis un des avantages, c'est que quand on était jeune, j'ai changé de cours. Je suis allé dans ce cours, puis j'ai voulu faire mettre ses examens, mais j'ai eu la chienne. J'ai déjà pris son permis quand il me manquait des points sur mon permis. J'ai même pris son permis une fois pour traverser la frontière américaine. Je l'ai fait, oui. Autre avantage, j'aurais... Il y en a d'autres. Mais l'avantage, c'est que sa blonde m'a souvent embrassé par erreur. Une fois, sa blonde m'a embrassé par en arrière, en passant sur lui. Bref, on a partagé une blonde une fois, quand on avait 15 ans dans le cinéma, puis elle a su, elle nous a pogné. Ça s'est pas bien passé. Bref, c'est ça. Il y a un des avantages, c'est quand les gens nous croisent, puis c'est arrivé plusieurs fois déjà ce soir avec des gens qui connaissent plus Daniel. C'est que ils pensent que je suis Daniel, puis des fois je connais pas la relation que Daniel a eue avec cette personne-là. Surtout quand cette fille, quand lui était célibataire, c'est souvent douteux. Je savais pas quoi dire. Donc pour partager la salle, vous comprenez que moi je fais les voix hautes dans notre duo et moi je fais les voix bas. Donc on va essayer de chanter mon côté et son côté.
Sacha, les enfants, félicitations. Vous chantez en italien et vous chantez haut. Pardon? Merci. Merci, c'est bon, hein? On ne dirait pas de faire chanter plus. Je te laisse. Donc, pour le premier prochain numéro, on a besoin d'un participant. Ça veut dire, en termes plus précis, c'est une victime. Y a-t-il une victime dans la salle? On va choisir par la première. Oui, j'ai choisi un mois. Comment dire? Ok, ok. T'es courageuse. On a entendu un mois, une fois. On n'a pas la chienne. Ils disent, moi, tu as la chienne. Il ne faut pas une personne. Ok. On va vous dire ce qu'on va tenter de faire. Oui, comment dire? Regarde. On va vous dire ce qu'on va tenter de faire. En tant que jumeau, on a des pouvoirs. Bonjour, bonsoir. C'est quoi ton nom? Ouais. Salut Rebecca, t'as quel âge? 11 ans. T'es-tu gêné? Non. T'as-tu peur? Non. Tu devrais. Assieds-toi. Elle n'a pas peur. Bref, salut Bertha, ça ne sera pas difficile. Là, je vais essayer de parler sans qu'on s'interrompt. Ça va-tu marcher? Ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui, en tant que jumeau, on a des pouvoirs. Quelques pouvoirs, le pouvoir, c'est de se communiquer. Vous savez, on a vécu ensemble, on a grandi ensemble, on avait des codages spéciaux quand on se parlait. Mais là, on va essayer de se parler sans se communiquer, sans rien dire. On va augmenter les mises ce soir, on va tenter de faire ça, mais on va faire plus. On va tenter de se parler. On va tenter, j'augmente les mises. Et on va tenter d'écrire une toune, j'augmente les mises une troisième fois, avec Rebecca, le nom de Rebecca, sans se parler. Et pour ce numéro, il faut une concentration. Plus que la plupart des choses qu'on fait, c'est très difficile, il y a des micros ici. Et donc, Gary Kurt nous a déjà écrit en disant qu'il était très jaloux de très, très jaloux de notre numéro. C'est très scientifique, il faut une symétrie exacte. Ouais, pauvre, là. Pauvre. Donc, on place nos mains sur sa tête et on se concentre. Moi, je pense que j'ai la toune. Il s'agit de voir Eric à l'instant du deuil. Ça serait très symétrique. Merci. Ok, moi j'arrive de mon côté, il s'agit de voir si notre chimie fonctionne, notre communication fonctionne. Est-ce que tu l'as là-dessus? Oui. On s'essaye. Est-ce qu'on connaissait avant ce numéro? Non. Est-ce qu'on dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui. Bravo. Alors, on t'a bien payé, toi. On va te donner le chèque. Un, deux, c'est désolé, vraiment désolé. Des fois, ça prend parce que faites-nous confiance. On va l'avoir. C'est vraiment dur parce que c'est vraiment un public. Tout le monde s'attend à une tune. On va être capable. Ah, j'espère que j'ai trouvé ce son-là. C'est pas égal. C'est ça, c'est pas égal. Ah. Ok, un instant, ça aussi. Deux. Tu peux mettre une couette? Tu peux mettre moitié une couette? Non, ok. Ça sera tout à l'heure, je suis ouais. C'est bon ça. Un, deux, trois, quatre. Ok, dernière fois. Désolé. Moi, ça va pas passer. Je pense qu'on va l'avoir. Ok, on y va. Vous nous suivez encore, vous faites confiance. Un, deux, trois. Rebecca is the sweetest sound to my ears. Rebecca brings back memories. Rebecca is the sweetest sound to my ears. Rebecca brings tears to my eyes. Rebecca. Pour prouver l'efficacité de notre communication, merci, Rebecca. Cette chanson-là est sur le CD à la sortie. Vous pouvez vous procurer en offert. Le pouvoir.